Et les gens, bienvenue sur frappstejeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur Far Cry Primal. Je le rappelle, un jeu qui m'a été offert sur PC par Nico. Encore une fois, merci à toi. Nous sommes actuellement en plein milieu de notre parc préhistorique et nous essayons de rejoindre, enfin j'essaye plutôt de rejoindre, parce que nous, moi et Hera, qui a pris un petit peu de retard, de rejoindre le lieu qui est ici. Tirer sur la cage et libérer l'animal. La question, c'est dans quel sens est la cage? Amusez-vous bien! Comme ça, je gagne de l'XP en plus, c'est pratique. Alors, j'ai dit qu'il faudrait que j'essaie de m'attaquer à ceci. Voir celui-ci, il est peut-être un petit peu plus proche. Ah non, celui-ci est difficile, donc on va d'abord faire les moyens. On commence par lequel? Celui-là ou celui-là? Celui-là, il m'ennuie parce que j'ai peur que ce soit trop compliqué. Avec toute l'eau qu'il y a autour, on n'aura pas de vue de dessus, en fait. On va essayer celui-ci. Puis après, on se re-téléportera par là pour aller voir l'autre. Je pense pas que ce soit une très bonne idée de tenter par ici la descente. C'est bon, je peux descendre par là? Tentons la descente, on verra bien. On va voir ailleurs si on est à tuer nos collègues. Pas sympa le mec, hein. Vraiment pas. Et mon chat est en train de faire tout le tour du décor. Et mince. C'est pour ton rhume. T'auras moins mal au nez. Je crois que j'ai trop peau d'ours. Trop de peau d'ours déjà. Ah non. Oh, un grand élan! Un grand élan! Ah, il y en a plusieurs! Ah, c'est pas malin ça, mais je me suis pas fait mal, ça va. Je veux le grand élan! En plus, il y en a un rare ici. Chasse-le, s'il te plaît. Je ne récupère que ça, j'ai plus assez de... J'ai plus de feuilles vertes! Sérieux? J'ai plus de feuilles vertes! Et apparemment, il y a un truc à récupérer au-dessus, faudra que j'aille voir. Bon, j'ai récupéré une peau d'élan machin chose, mais... Mince, je vise comme une quiche du coup. Attends, je me soigne. Il y avait un autre élan quelque part dans le coin. Du coup, je l'ai perdu de vue. Ça aurait été cool que je puisse le retrouver là. Alors, on se replace le pouce, tout va bien se passer. Est-ce que vous voyez un élan? Ah, attendez, c'est quoi ça là-bas? C'est un ennemi. Il me semble qu'il y avait un truc qu'il fallait où je récupère des peaux d'élan, et peut-être que j'ai déjà fait en fait. Peau de léopard. Peau de grand élan, non voilà c'est là. Comme quoi je suis pas complètement perdu.
un grand élan rare, ça. Il a le temps de tuer un loup, je crois, hein, quand même. Dépecer le loup, ouais. C'est quand même vachement violent. Il faudra encore un grand élan. Il n'y en a pas un dans le coin, s'il vous plaît. Pardon. C'est pas vous que je chasse. Bon, là, il y a du loup. Là, il y a du cerf. Enfin, du loup, de l'ours, pardon. Du cerf un peu plus haut. Du cerf. Je les fouille même pas parce que je suis déjà plein au niveau de tout ce que j'ai, donc bon. Alors, est-ce qu'ils se combattent entre bleu et rouge? Je pense que je vais tenter d'essayer de s'amuser entre eux. J'ai compris, venez m'aider. Je suis pas très loin du point d'accès. Il y a d'autres personnes qui se battaient au-dessus. Par là-bas, du coup, voir si on peut mettre en place une stratégie pour aller jusqu'à l'avant-poste. J'ai peur que ça aille pas assez loin, mes affaires là. Pour l'instant, je ne vois personne dans le coin. C'est bien ce que je me disais. Ça va, pas de crocodile à l'horizon. Replongez vite, s'il te plaît. Je vais voir passer un gros poisson. J'espère qu'il sera pas fait remarquer, la Hera. Enfin, qu'elle. Il ou elle, je sais jamais. Ça a personne l'air d'avoir utilité pour l'instant. Oh, c'est quoi ça? On va essayer de déclencher un feu quand même. Attention, ah c'est bon. Là, il y a un mec qui peut alerter. Qu'est-ce que j'ai vu dans le coin? Ah, il y en a un autre là, d'accord. Et ça va être plus chaud quand même à voir en mode discrétion tout ça. Là, il y en a plein les uns à côté des autres. Alors après, il faut attendre 80 secondes avant de pouvoir réattaquer, je crois. Donc ça, c'est un villageois. Non.
eux, je ne peux pas les attaquer. Il n'y en a qu'un seul qui s'est affolé pour l'instant. C'est pas bon, il vient par ici. Mise à mort réussie. On va faire gaffe. Espérons que c'est pas lui qui va avoir le... Il y en a qui est en train de se promener là. Lui, il m'inquiète, faudrait que ça se déplace. J'ai peur qu'elle réagisse si j'essaie de la tuer, celle-ci. Il y a des gens qui réagissent. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois pas être vu pour le moment. Attaque là-bas s'il te plaît. Il te reste plus que lui à tuer, normalement on est bon. Voilà. Bon bah c'est pratique d'avoir un chat comme ça hein. Normalement j'ai pas été repéré. C'est ça, plus 1250 d'XP. Cool. Et t'es content. Désormais, c'est chez moi, ici. Ah, c'est les Zizila qu'il y avait ici. Je sais pas pourquoi, je m'étais mis dans la tête que c'était des Oudam. Comme quoi, je vais vraiment la ramasse. Quelqu'un qui est mort à l'intérieur, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Kia. 80-65. Ça pourrait être sympa là. Non, je dis que j'attendais encore un point pour augmenter ceci. Tu sais que tu m'empêches de passer là.
Mais... Allez, notre sortie, c'est bon. Ils ont prévu le coup. Ok, donc ça, c'est fait. Il y a un feu de camp ici, il y a un bûcher qui est allumé là. Un avant-poste de viande picking. Là, il y a la mission de la chasseresse, qu'il faut faire de nuit, bien sûr. Un autre bûcher là. Un autre avant-poste moyen là. Ça, c'est de l'avant-poste difficile. Bûcher difficile. Bûcher moyen. Donc peut-être que l'idéal serait de remonter petit à petit. Difficile. Très difficile, difficile. Une mission difficile. Je crois que j'ai tenté de me rapprocher de ce lieu-là. Ah oui, effectivement, les grands élans qui sont ici. Très difficile à chasser, il y a marqué. Attention. Par hasard, sur la carte, il n'y avait pas eu de trucs à ramasser ici. Oh! Il y a une main d'Aïcha au niveau de l'eau. Enfin, sous l'eau. Ah, on va chercher puisqu'on est à côté. On va juste faire très attention aux poissons crocs. Bon, j'ai rien de bien particulier. Je suis déjà à fond pour le reste. C'est quoi ça? Ardoise. Par contre, ça j'en avais besoin. L'ardoise aussi. Ah, peau de bête pareil. Voilà, ça je suis plein. Ça je peux tous les prendre. Ça par contre, faut tout que je prenne. Plein, 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 plein. Plein. Et après, je suis plein partout, parfait. Alors, est-ce qu'on voit des poissons crocs ici? Ouais. Est-ce qu'on en voit d'autres? Voilà, c'est bon, on y arrive. Oh, c'est joli vu d'ici. Et de 16 sur 100 mains récupérées. Ça va, je suis toujours pas suivi par un poisson. Tout va bien. Retour sur la terre ferme pour aller par là-bas. Oh, bracelet Wenja, main d'Aïcha. On va essayer quand même d'aller voir ce truc là. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Là, il y a sûrement une grotte avec quelque chose à récupérer à l'intérieur. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Bref, on va aller ici. Voilà, parfait. Et du coup, notre destination, ce sera ça. En hauteur ou pas en hauteur? Non, ça a d'aller pour la hauteur. Oh punaise, tu m'as fait peur en me fonçant dessus comme ça. Moment de stress. Passer par les hauteurs pour être plus tranquille. Ça peut-être pas après moi qu'il en a pour l'instant, le gros ours. Mais je sais pas ce que c'est comme type d'ours, donc je vais peut-être me méfier. Tiens, cadeau. Je voulais dépecer. Ah, c'est un ours des cavernes, carrément. Et je crois qu'il me fallait de la peau. Bah justement, voilà, parfait. Pour pouvoir augmenter ceci. Et maintenant, ah bah je peux directement augmenter d'un niveau. Parfait.
Mais il me reste plus que ça et ça, donc des pots de grand élan il me faut et un pot de, 3 pots de léopard. Fuis, tapir, fuis! J'ai tué ton prédateur. C'est bon? Apparemment, c'est plus très très loin. Donc on va essayer d'y aller doucement, étape par étape. Je sais pas trop de quel côté je suis en train d'arriver. Ouais, j'arrive par là, ok. Prévu comme ça, mais bon, ça a fonctionné. Tant que ça fonctionne, y a pas un loup tigré par hasard là-bas, non? On voit pas. On m'approche pas, moi, non mais. Ouais. Y a encore des loups au loin là-bas. Si jamais il s'approche trop de moi, on essaiera d'en faire quelque chose. Bon, je pense que je peux encore descendre par ici. Pourquoi j'ai ramassé ça? Par contre, ça fera un petit peu haut. Est-ce que je peux? J'ai l'impression que je suis encore trop loin, mais bon. Pas grand chose vu qu'il fait nuit là, c'est agaçant. Déjà, je ne vois personne, ça me perturbe qu'il n'y ait vraiment personne ici. Ok, on va essayer d'aller voir un peu partout. Pourrais-je donc réussir à marquer tous les ennemis? Ça me paraît pas possible en fait. Apparemment, je peux continuer à me rapprocher un petit peu. Voilà, et par ici. Mon collègue vient de se téléporter, c'est parfait. Allez, on recommence. Bien préparer l'attaque. Mince, c'était pas ça que je voulais. Reste pas si près du bord. Gros chat. Donc là, c'est clair, y a personne. Ça m'étonne presque qu'il n'y ait personne. Il faudra pas qu'il réagisse. Ça me paraît pas possible qu'il n'y ait que ça. En fait. Ah. En voilà d'autres.
Ça, c'est un villageois. Les villageois, on n'a pas besoin de les tuer. Bien vu, ça n'a affolé personne. Attendez. Ah non, si je pense qu'on les voit au moins. Il y en a un là, un collègue ici. Elle, j'ai presque envie d'essayer d'assassiner. Qui arrive là. Qui reste en fait. Je connaissais pas donc. Qui ont repéré les... Attention. Maintenant, où est le petit dernier? Lui. Pour l'instant, je n'ai pas encore été repéré, mais... Ah bah si, les 1250 d'XP, bon bah tant qu'on peut tout récupérer, hein, on va pas se gêner. 4 sur 15 de revendiqués. Ah, ça fait plaisir quand même. Ah, je m'attendais pas en réussir autant en une vidéo. Parce qu'en général... Alors c'est terrible parce que, en général, quand on est sur Far Cry 4 par exemple, je m'étais énormément entraîné. Autrement dit, j'avais passé beaucoup de temps à faire et refaire les avant-postes pour essayer de trouver une stratégie. Et là, franchement, bon, là je mets du temps, certes, mais je veux dire que derrière. Voilà, calme-toi, toi, il y en aura pour tout le monde. Hein. Voilà, donc, nouvel avant-poste libéré, ça fait plaisir. Je suis heureux. And you know what? I'm happy. Tuer et fouiller le porteur, où qu'il est ce porteur? Désolé, tu fais partie de la mission. Je sais pas trop ce que ça m'aura rapporté, mais ça m'aura rapporté des choses. Du coup, j'hésite, est-ce que je pourrais essayer de faire... Ouais, on vient de sortir de la nuit, là, donc... pas grand-chose d'essayer d'attendre. Mais il y a un feu juste à côté. Parce que j'aurais bien tenté de faire la mission de la chasseresse. Du coup... Je pense que je peux le tuer, le grand élan. Et puis si ça me fait une peau de grand élan, je dis pas non. Donc on va essayer d'aller par là. Sachant qu'il y a aussi les dents de sabre, et ça c'est pas rassurant du tout. On va d'abord commencer par essayer d'aller là. Peut-être qu'avec un petit peu de chance, on pourra tomber sur le... Ah, punaise, par contre, viens, viens ici, faut que je te nourrisse, toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste, là? Plus grand-chose à ce niveau-là, voilà.
là, faut remonter. Alors, hop, une peau de poisson croix rare, érable du sud, je prends l'argile 10, oh, 10 d'argile. Joli. Des cèdres du nord, des kegs noirs du nord. Voilà. Roseau, je suis déjà à fond. Le bois, à mon avis, en manquait. Hop là, 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 hop là. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Et il faut que je trouve un endroit où je peux monter. Bah comment ça se fait que t'es déjà perdu de la vie, toi? Viens là, chut. Oh, pars pas si loin, après je peux pas te donner à manger. Voilà. Voilà pour toi, Hera. C'est bon? Tu te sens mieux? Allez, en avant, compagnon. Je suis parti vers l'horizon. En fait, c'est à l'aventure. Mais bon. Je commence à avoir une de ces fins. Je pense que je vais faire à manger. Alors, Dieu découvert. C'est des collègues, tout ça. Là-bas. Et hop, un brassé Wenja en moins à ramasser. Là, il y a une mission, on va essayer de s'en rapprocher quand même. Je vais voir passer un ours. Ah non, c'est un smilodon, c'est encore pire. J'avais pas besoin de boîte de dents de sabre ou un truc comme ça pour quelque chose. Léopard, non, et grand élan. T'es bien gentil, mais je veux pas lancer la mission. Apparemment, elle se lance tout de suite la mission, donc non, on va pas y aller tout de suite. C'est quoi ça? On va le laisser partir. Et nous on va aller voir plus loin. Ici. Laisse Hera tranquille. Pas ta tienne. Qu'est-ce que tu lui veux, toi? Non, c'est bon. Y'a pas de revenir par ici. Je sais pas si notre collègue est mort. Ou pas. Qu'est-il que nous, on avance. Voilà, faites qu'on découvert. Normalement, on peut dormir sur place jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Il y a Hera qui veille sur moi. Merci, Hera. Je m'étire parce que je le vaux bien. Alors, voyons voir ce qu'elle nous dit de beau la chasseresse là. Alors par où vont-elles? Par là-bas. Palchi, Laukariambi Hadarsh.
Ah oui, c'est pas un grand élan de... Hey, je l'ai eu. Touché. Tiens, mange. Je retourne les chasser, ils sont où là? Voilà. Ça les aura sans doute calmés, ceux-là. C'est bon? Malheureusement, c'était un grand élan grand. Donc, un grand élan rare. Alors que moi j'espérais tomber. C'était quand même très joli là en dessous avec la... les couleurs. J'aurais bien aimé un loup tigré, mais bon, croire que ce n'est pas le cas. Il y a un truc qui brille là-haut. Ça doit être une main, j'imagine. Ouais, la main doit être sur la montagne au final. Donc compétences. Je vais pouvoir améliorer ici. J'ai encore 2 points d'ailleurs. Voilà, comme ça au moins on a 6 barres, on est plus tranquille. On va réduire ceci aussi, je pense. De la chouette a pris une attaque. Punaise, il en faut des points là. 3-3 après. Elle reste quand même bien pratique l'attaque en piqué, je trouve. Tranquille, cher tapir, je ne vous veux aucun mal. Tiens, c'est de l'argile du Nord ça? Ah ouais, argile. À côté d'une pierre du sud. Qui a eu du nord, qui a eu du nord. C'est très bizarre. Du coup. Peut-être qu'on peut essayer de récupérer la main qui est tout là-haut. Il y aura une solution pour l'avoir. Je crois qu'elle est encore plus haute. Voilà, elle est là-haut. Pour aller plus haut. Allez plus haut. Oh, oh, oh. Y a pas un petit coup de... Non. Je vois pas un seul signe comme quoi je peux monter plus haut. Hera a du mal à me suivre là. Alors elle est où la pierre? Elle doit être en dessous. Par là. Faudrait que je glisse à partir d'en haut en fait. Non mais attendez, ils ont tué mon... respect. Je sais pas trop où est-ce qu'elles sont mes sagas, mais donc j'essaie de passer par là cette fois-ci. Ah mais en fait il y a un moyen de monter directement ici. D'accord. Parce que là je pense que si j'essaie de glisser ça va peut-être mal se passer. On tente. Ça passe, c'est bon. C'était limite, mais c'est passé. Hop là, Madaisha récupéré. Après, faut que je passe par où? Voilà, on va dire que c'est ici qu'il fallait passer. Parfait, c'était bien par là.
Donc j'ai fait tout le tour pour rien, c'est ça? Ah, c'est vrai que t'as pas beaucoup de vie. Attends, je t'en donne un peu plus. Cadeau! Alors, maintenant qu'on a fait cette mission pour la chasseresse, est-ce qu'il y en a d'autres à nous donner? Oui, il y en a d'autres. Par là, Jaima. Je pense que c'est ce que nous allons faire. Après, il y a le bûcher qui est ici, on pourra toujours aller s'en occuper. Et faire les quelques missions annexes qui se trouvent dans l'environnement. Et voir peut-être aller à l'avant-poste Schwalda. Ça pourrait être pas mal, ça. Tiens, d'ailleurs, il y a encore des zones au nord. C'est peut-être pour ça qu'on commençait à croiser des animaux particuliers. Oh, il y a une zone ici, un lieu inconnu. On va d'abord aller au lieu inconnu, vite fait. Parce qu'il a pas l'air très très loin. Bon, une fois qu'on y sera, on sera tranquille. Ah, faut croire qu'il va bientôt faire jour. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille plus loin par là-bas d'ailleurs. Non, ce n'est pas Tensei que je cherche. Ce que je cherche, c'est le lieu qui est planqué par là-bas. Au final, j'ai quand même l'impression de retomber sur la zone de base sur laquelle j'étais tout à l'heure. C'est vrai que je peux pas courir à l'infini, j'avais oublié ce détail. Nous y sommes presque. Du monde. Fermé. Bon, apparemment, on sera pas pour tout de suite, on peut pas y aller. Doki. Et j'ai découvert quand même, hein, mais bon. Je ne peux pas y entrer pour l'instant, ce sera sûrement pour plus tard. Rocher de Mashbaya. Et du coup, on voit qu'il y a encore une autre zone plus loin, là, ici. Là, il faudrait aller l'escalader par là. Une autre grotte. Ok, bon, comme je dis, on va retourner par là. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, en particulier encore une fois à Nico, qui je rappelle m'a offert le jeu. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappstejeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. Ça rame sinon horreur. Je vous souhaite donc une agréable fin de journée. Et à ciao tout le monde. Salut. You got to do it.